Ce projet avait pour but de conserver l'épicerie communale. C'était important pour les habitants du village de pouvoir bénéficier de l'achat de produits locaux à des prix raisonnables et de se retrouver dans un endroit convivial. Le montant de l'opération était d'un coût de 370 150 euros et nous avons obtenu une subvention de 145 800 euros de la région et 109 300 euros du département. Le projet a permis aux habitants du village de se rencontrer, d'échanger et de prendre en même temps un petit verre, une boisson non alcoolisée dans ce lieu. Je remercie tout particulièrement la région et le département parce qu'il est évident que sans eux, nous n'aurions pas pu réaliser un tel projet. Je rappelle que Verdelot, il y a 700 habitants et 52 hameaux, donc c'est quand même compliqué. Et grâce à eux, nous avons pu réaliser ce beau projet. Et je tiens à dire que les habitants du village, maintenant viennent nombreux et se retrouvent, échangent. Vraiment, c'est vraiment l'endroit vraiment convivial pour la commune.